palais mystérieux, dans un bois ténébreux, la nuit, au beau milieu d'un orage. Son verre et son valet à lui, se serait-il égaré? Chercher un abri pour y passer la nuit.
on suit, et qu'à la jeune du cœur, voyez, voyez, comme ici tout un monde, elle vont souffrir, et qu'à la jeune du cœur, elle vont souffrir, et qu'à la Implorèrent Fatmé et Lisbée.
Et tandis que Zémir, la troisième, demeurait silencieuse, et toi, mon enfant, quel serait ton beau plaisir? Ô père, une rose de vous est le présent que je préfère, répondit-elle. Mais cette rose, cueillie à l'instant dans le jardin d'Azor, provoque la colère de celui-ci, ce qui aura pour effet de condamner Sandel à une mort certaine. Thank you.
Oh,
va plaire qui vous aime. Non, non, je n'y vais pas. Non, 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 je n'irai pas, je n'irai pas. Criver, me vois-tu pas? Je n'irai pas, me vois-tu pas? Je n'irai pas. Et je le dis non, 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 je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas, je n'irai pas. Je m'attendrai, je suis rendu, je m'attendrai.
Thank you.
je suis moi-même, et je suis moi-même, plus tremblant que vous. Et je suis moi-même, plus tremblant que vous. Ah!
s'assemblait soudain. À la pensée de son père et de ses sœurs, plongé certainement dans une évidente inquiétude. Azor, alors touché par la peine de la jeune fille, tend à Zélie un miroir. Un miroir magique, qui a pour effet de lui faire apparaître à l'instant son père et ses deux sœurs. Zélie, désespéré devant ce père accablé, supplie Azor de la laisser partir. Quelques heures, rien que quelques heures, et puis elle reviendra. Oui, elle promet à Azor qu'avant la fin du jour, elle reviendra. Alors, Azor prend la main de Zélie et glisse délicatement à son bras un anneau d'or qui la rend indépendante et libre de son destin. Si elle ne revient pas, Azor en mourra. Zélie, grâce à cet anneau, on a désormais le pouvoir. Mais elle reviendra, elle l'a promis. Avant la fin du jour, elle reviendra. Se défait de l'anneau magique et, au désespoir de son père et de ses sœurs, le jette violemment à terre et s'enfuit avec détermination. Thank you.
arrive, prononce le mot fatidique, tant espéré par hasard. Ce « je t'aime », sincère, tendre et amoureux, le délivre enfin d'une malédiction cruelle et lui permet, en cet instant, de rompre le charme de cette fée maléfique dont il était prisonnier. L'homme animal n'est plus. C'est à présent le monarque qui recouvre sa puissance et sa beauté. Avec la bénédiction de Sandère, Azor, maintenant, offre en partage à Zémir son trône retrouvé.